que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de ma routine sur le linge. Je vais vous montrer ce que je me sers pour faire tourner ma machine à laver, comment est-ce que je l'entretiens, quels sont les produits que j'utilise couramment, comment est-ce que je m'organise au niveau de mes lessives, les températures, les temps de lavage, etc. Bref, je vous laisse du coup avec les images et je vous emmène pour vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je vous montre la bête. C'est une machine à laver de marque Aya que nous avons achetée chez But en 2012. C'est une 5 kg à hublot. Je voulais absolument une machine à laver à hublot. Je trouve ça plus pratique. Après, bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Concernant l'utilité, elle est vraiment... de tout ce qu'il y a de plus simple. On a donc le bouton marche-arrêt, le bouton départ-pause. On peut rester appuyé pendant 3 secondes pour faire une annulation. Ensuite, on a un mode pré-lavage, un mode rinçage plus et l'arrêt cuve pleine. On a, c'est une, donc une machine en essorage 1000 tours. Il y a plusieurs programmes, le coton, l'écho, le rapide 30 degrés, lavage main, le rinçage, l'essorage, la laine, soit 40 degrés, soit froid, pour le linge délicat et tout ce qui est synthétique, etc. Moi, au niveau de mes programmes, j'utilise le programme à 90 pour tout ce qui est torchon et microfibre. Le programme 60 pour tout ce qui est en coton tout le temps, pour tout ce qui est les serviettes de toilette, les draps ainsi que les cottes et affaires de travail de mon mari. Ensuite, le programme 40, ça va être tout ce qui est affaires, enfin les vêtements, les miens parce qu'ils ne sont jamais sales, enfin sales, c'est porté mais c'est pas taché ni rien. Et les vêtements du week-end également à mon mari. Ensuite, il m'arrive de faire des lavages rapides quand je veux absolument un vêtement tout de suite, entre guillemets. Ça m'arrive de mettre un lavage rapide, mais ça lave à froid. Donc pour moi, ça lave pas forcément très bien. Du moins, ça reste taché. Concernant l'entretien de la machine à laver, j'achète ce petit produit qui doit coûter, il me semble, 99 centimes ou 1,99€. Les deux que je prends du coucher action, c'est senteur citron et c'est un détergent tout simplement pour nettoyer l'intérieur de la machine à laver. Il suffit de vider le produit au niveau du bac à lessive et de faire tourner à minimum 60 degrés. Je réalise ce nettoyage de l'intérieur de la machine 2 fois par an généralement, une fois tous les 6 mois, donc là je l'ai fait à Noël. Je vais le faire du coup maintenant et comme ça on va pouvoir le faire également ensemble. Pour le nettoyage ensuite direct de la machine, c'est tout simple, je prends une brosse. Alors vous voyez, bon bah là c'est sale, enfin c'est taché à force hein, en même temps depuis 2012. J'utilise une brosse ou une éponge avec un produit microfibre. Là, c'est la même chose. Elle est relativement assez propre quand même. Hein. Je veux dire, comme j'essaye de l'entretenir, au moins une fois par mois, j'essaye de nettoyer. Ou une fois tous les 2 mois, j'essaye de la nettoyer intérieur, extérieur, les boutons, les façades, etc. C'est assez compliqué parce que ça, je trouve que ça se salit quand même relativement assez vite. Mais bon, le principal, c'est quand même qu'elle soit propre et en bon état. Pendant un temps, elle nous a fait un petit peu peur parce qu'elle faisait des bruits, on va dire, très bizarres. Et je pensais qu'elle était en train de nous lâcher. Pour le moment, je croise les doigts. Et croiser les doigts pour moi, elle fonctionne encore très bien. Elle n'a pas une très grosse capacité. Mon mari veut absolument en acheter une énorme. La future, ça sera sûrement une très grosse. Il aimerait bien avoir une 17 kg, je trouve ça énorme. Déjà, si on avait une 10 ou une 12, ça nous changerait la vie. Mais après, je le comprends qu'une fois qu'on a les enfants, c'est peut-être plus facile de faire tourner une machine qu'une seule fois, on va dire, dans la semaine lorsqu'elles sont très grosses.
Alors, concernant les produits que j'utilise, c'est très simple. Principalement, j'utilise des capsules comme ceci. C'est de la Ariel Poids que ma belle-sœur m'a d'ailleurs ramené d'Espagne puisque le prix était vraiment très intéressant. Vous avez le combiné de la lessive, ça doit être le détachant et l'adoucissant qui sont dedans. Ce sont pour moi, au niveau des tablettes et des capsules, les meilleures. Franchement, en plus, elles sentent super bon. Je ne suis pas fidèle à une marque, mais c'est vrai que principalement, nous utilisons ces capsules. Il y avait également cet hiver une promo sur la lessive où est-ce qu'on avait les deux bidons pour 6 euros. Du coup, j'en avais acheté plusieurs. Et là, il m'en reste, mais la lessive liquide, je l'utilise principalement pour les vêtements blancs ou alors ce qui est vraiment très sale. Ensuite, en adoucissant, là par contre, je suis abonnée qu'à une seule marque. Ça fait peut-être maintenant 6 mois que j'utilise du cajoline doux et pur. En plus, c'est de l'hypoallergénique. C'est un adoucissant concentré qui contient 46 lavages. Il est testé dermatologiquement, excusez-moi. Franchement, je le trouve vraiment top. L'odeur est à tomber par terre. Concernant la consistance, comme c'est pour une machine de 5 kg, j'en mets juste la moitié. Vraiment, je mets la moitié d'un bouchon et ça suffit amplement. Ensuite, dernièrement, j'ai acheté chez Action ces petites billes de pareil, c'est je voulais dire du Lénor, mais c'est pas du Lénor parce que c'est pas la marque, mais ce sont des petites billes d'adoucissantes. Je trouve que ça laisse vraiment un super parfum frais sur les vêtements. En plus, ça tient vraiment. Alors eux, sur le produit, ils conseillent de mettre l'équivalent d'un bouchon en entier. Moi, personnellement, je trouve que ça fait de trop et qu'après, l'odeur est vraiment trop prenante sur les vêtements. Alors, pour certains, ça va leur plaire. Pour moi, non. Donc moi, je mets simplement la moitié d'un bouchon et ça va très bien. Ça, il me semble que c'était un tout petit peu moins de 3 euros chez Action. Et vous pouvez faire 16 machines. Donc, vous voyez, 16 machines, moi, je le divise par 2. Ça en fait environ 32 parce que, voilà, je ne suis pas pile avec un mètre à regarder. Ensuite, concernant la désinfection du linge, voilà, j'ai toujours pris du Sanitol. Ça, c'était bien avant le Covid. Ça doit faire maintenant peut-être un an que j'en achète. Et là, je mets la moitié d'un bouchon. C'est pas spécialement pour faire un petit peu comme tout le monde ou autre, c'est parce que je trouvais vraiment que le fait que ça élimine les bactéries, comme mon mari est agriculteur et qu'il voit des animaux, on va dire tout ce qui est vache, etc. Je me suis dit que c'était toujours une précaution supplémentaire. Je n'en mets pas beaucoup, vraiment, je mets juste la moitié d'un bouchon. Vous avez plusieurs odeurs. Là, j'ai un aloe vera et fleur de coton, mais j'avais également trouvé un fleur blanche qui sent vraiment très bon. Je vous conseille vraiment ces deux produits. J'en suis très contente. Et pour terminer au niveau des produits, j'utilise des lingettes antidécolorantes puisque moi je ne fais absolument pas de tri, sauf si dans la semaine nous avons porté pas mal d'affaires blanches. Là je ferai une machine que de blanc, mais sinon principalement j'utilise que ces lingettes. Par chance, je n'ai jamais eu à avoir de problème, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même super pratique. Ça évite de faire 50 000 machines différentes. Et également, j'utilise le produit eau écarlate linge blanc quand je commence à voir que mes vêtements blancs commencent à grisonner. Effectivement, je trouve que ce produit fonctionne parfaitement. C'est la deuxième fois que je l'achète. Là, je l'avais pris chez Stokomani. D'ailleurs, les lingettes viennent également de chez Stokomani. Pour ça, je ne suis absolument pas fidèle à une marque. Je pense que je vais trouver et suivant le prix également, parce que je trouve quand même que les produits pour l'entretien du linge sont relativement assez chers. Mais bon, ça après, ça ne reste que mon avis. Je vous retrouve maintenant, je suis de retour dans le salon. Donc comme vous avez vu ma petite présentation au niveau de la machine à laver, je crois que je ne voulais pas préciser, je ne me souviens plus, mais la machine à laver est stockée dans notre débarras. En fait, c'est un ancien garage que les anciens propriétaires avaient transformé un peu en buanderie, arrière-cuisine et tout. C'est une pièce que nous voulons refaire, mais c'est un petit budget, mine de rien. Et c'est une pièce que je veux absolument transformer en cuisine. Buanderie, arrière-cuisine, enfin en arrière-cuisine, buanderie, pièce de stockage pour la nourriture et tout. Mais comme je ne veux pas la faire à moitié, je préfère qu'on attende et qu'on la refasse correctement. Sinon, au niveau de ma routine des lessives, j'essaye principalement de faire tourner mes lessives la nuit. Comme ça, c'est plus simple. Le matin, je me réveille,
et j'ai plus qu'à étendre mon linge. Au niveau de la fréquence des machines, je m'étais imposé de faire tourner et de m'occuper principalement du linge le vendredi, mais je me rends compte que c'est pas pratique du tout. Donc du coup, j'ai abandonné et je m'occupe. En fait, j'essaye de faire tourner une machine tous les 2 jours principalement, sauf par exemple dans mes routines du quotidien, notamment le lundi, c'est ma routine de la salle de bain, du ménage de la salle de bain. Donc le lundi, je vais faire tourner mes tapis de bain ainsi que mes serviettes de bain. Le mardi, c'est ma routine de la chambre. Donc c'est là où je vais faire tourner du coup mes draps. Et ensuite, le reste de la semaine, je vais faire tourner le linge classique. Généralement, le vendredi soir, je fais tourner les affaires de boulot de mon mari. Et le dimanche soir, c'est ses codes de travail. Comme ça, c'est tout propre, plié, rangé dans les placards pour le lundi. J'ai toujours également une panière qui est au niveau de la machine à laver. Comme ça, dès que le linge a terminé de tourner, de laver, j'ai plus qu'à le mettre dans la panière et aller l'étendre. Donc, au niveau des étendoirs, nous avons un Tankerville, tout ce qui est plus classique. Enfin, mon mari m'a installé 2 petits fils à linge qui sont sous le préau lorsqu'il pleut ou qu'il fait pas très beau, que je suis incertaine du temps. Je peux mettre du coup mon linge là-bas. Ce que je fais également, c'est que je mets mes sous-vêtements parce que le fil à linge principal, l'étendoir à linge principal, se trouve au niveau du jardin. Mais il est également à la vue de nos voisins et j'ai pas spécialement envie que mes voisins voient mes sous-vêtements. Non pas que j'ai des choses à cacher, mais voilà, je trouve que c'est quand même personnel. Du coup, c'est vrai que mes sous-vêtements, j'ai tendance à les mettre sous le préau parce que c'est à la vue de personne. Et voilà. Et du coup, donc après, bon, comme je vous ai dit, pour l'autre linge principal, je vais l'accrocher du coup ou l'étendre, je sais pas comment est-ce que vous vous dites, du côté du fil à linge principal. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, maintenant vous devez l'avoir vu plusieurs fois parce que je vous ai déjà filmé lors de mes vlogs ou de mes routines l'accrochage ou l'étendage de mon linge. Sinon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous intéresser. Je voulais également vous remercier pour vos nombreux likes et vos nombreux commentaires. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements. C'est vraiment très gentil et ça permet de me motiver également et de voir que tout ce temps passé à vous filmer, à vous trouver des idées, à faire le montage, etc., ce n'est pas du temps perdu et ça vous plaît. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce que pour moi, c'est vraiment une marque de remerciement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.